Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, une vidéo assez particulière, je dirais plutôt de haut vol, et vraiment pour des initiés. Et je dois dire que j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, c'est de pouvoir, à partir d'une adresse postale, retrouver la latitude et la longitude, mais aussi, en ayant inscrit la latitude et la longitude, je souhaiterais pouvoir récupérer l'adresse. Donc faire le sens inverse de ce que je vais faire au départ. Alors déjà, première chose, c'est comment je peux récupérer ces informations. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Je vais dire, c'est que il faut ce qu'on appelle une API. Une API pour pouvoir aller chercher sur Internet les informations à partir d'une adresse. Le problème, c'est que je n'ai ici concrètement rien qui me le permet dans Excel classiquement. Donc, on va devoir utiliser une API externe. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà de trouver une API et de voir comment on peut faire. Alors, première chose, on va commencer, on va tester, par exemple, pour voir avec ChatGPT. Donc, voilà, je suis sur Internet. Alors, soit j'ai directement un compte pour avoir accès à ChatGPT. Donc, je vous rappelle, hein, les quatre comptes possibles, c'est soit d'avoir une adresse Microsoft, Google, avoir une adresse aussi Apple, ou tout simplement de créer son compte avec une autre type d'adresse. Et là, je vais chercher donc ChatGPT. Voilà, je prends le site de OpenAI.com, qui sont les créateurs de ChatGPT. Je clique dessus et je vais faire « Try ChatGPT » pour aller voir un peu ce qu'il va me proposer. Alors, je souhaite dans Excel français pouvoir, à partir d'une adresse postale en A2, trouver la latitude et la longitude. On va voir qu'est-ce qu'il répond. Voilà. Donc, il me dit clairement, pour obtenir la latitude et longitude à partir d'une adresse postale dans Excel français, vous pouvez utiliser une API de géocodage telle que celle de Google Maps. Malheureusement, je ne peux pas effectuer. Cependant, je peux vous fournir les instructions générales. Donc, obtenez une clé API Google Maps. Et là, c'est là où ça commence à se corser. Voyons voir un peu, donc, comme vous pouvez voir ici, activer l'API géocoding. Donc, avec générer, il nous faut donc une console développeur. Beaucoup de manipulations, comme vous pouvez voir. Et ensuite, il va me falloir donc Power Query. Bon, c'est une solution qu'il nous propose avec toute l'explication de A jusqu'à Z. Juste comme ça, pour la présentation, voici l'API Geocoding. Donc ici, vous voyez donc toute l'explication avec l'adresse ici, si vous souhaitez aller voir. Explication pourquoi utiliser, ce que vous pouvez faire avec. Des coordonnées géographiques pour les adresses, adresses pour des ensembles de coordonnées de latitude, longitude, comme vous pouvez voir. Donc il suffit, vous voyez, de faire du géocoding ou du géocoding inversé en entrant une adresse. On peut avoir, par contre, c'est ça qui est assez intéressant, le format, c'est soit du JSON, soit du XML. Solution très intéressante. Et vous voyez ici toute l'explication, comment faire pour utiliser l'API géocoding. Donc vous voyez, il faut d'abord configurer votre projet Google Cloud. Essayer une requête de géocoding, essayer une requête de géocoding inversé, comprendre les principes de base, intégrer les données à votre propre application. Voilà. Alors, en plus, dans configurer pour information, ici, voici donc la partie facturation. Et vous voyez qu'ici, il y a un système de facturation. Et c'est gratuit si le projet ne dépasse pas un certain quota. Donc, si je vais voir le quota... Vous voyez ici, donc Google Maps Platform propose un crédit mensuel récurrent de 200$. Voilà. Donc ce qui fait, je crois, 27 800 requêtes pour transformer donc des adresses en latitude, longitude et inversement. Mais par contre,
il existe une autre solution que j'ai trouvée. Solution quant à elle simple, gratuite, un peu plus de manipulation au niveau d'Excel, mais je dirais ça en vaut peut-être la chandelle. Alors, en recherchant sur Internet, il est possible de trouver sur Google justement un site qui s'appelle adresse.data.gouv.fr. Donc, voilà, un site ministériel où dessus, vous voyez, c'est une API adresse. Alors, juste comme ça, je parle d'API. Qu'est-ce qu'une API? C'est tout simplement l'abréviation, donc API, A pour application, P pour programming, I pour interface, donc application programming interface, ou on pourrait tout simplement dire l'interface de programmation d'application. Donc ici, on a donc une API, comme vous pouvez voir, adresse du gouvernement, dont voici l'adresse, et vous voyez qu'ici, je peux sans aucun souci, par exemple, utiliser le paramètre Q pour faire une recherche plein texte. Avec limite on, on peut contrôler le nombre d'éléments retournés, etc., etc. J'ai toutes les informations ici. J'ai même aussi le retour. Voilà le retour sous forme GeoJSON. Voilà, donc un peu plus compliqué à traiter dans Excel, vu que Excel est plus facilement interfacé avec du XML qu'avec du JSON. Mais on va voir qu'on va quand même y arriver. Et voyez ici, voilà, il nous informe des différents codes qui sont renvoyés. Et on a ici le système reverse où les paramètres lat et long sont obligatoires pour avoir, voyez ici, directement à partir de la longitude, de latitude, une adresse. Mais nous, on va faire le premier cas. J'ai une adresse et je souhaite avoir. Alors, vous voyez ici directement hein, le code qu'il me faut. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà copier cette partie-là. Et si jamais on teste, alors je l'ai déjà testé, hein, voilà ce que ça fait. Vous voyez ici API data.gouv search et j'ai mis ici l'adresse avec le petit Q, vous voyez comme il met ici utiliser le paramètre Q pour faire une recherche plein texte. Et ici, vous voyez qu'avec une adresse, par exemple 87 avenue d'Alkirch 68100 Mulhouse, voilà une partie des informations que j'ai. Et nous, on va faire ça tout simplement dans Excel. Bien, nous voilà dans Excel. Donc ici, on va pouvoir voir effectivement pour trouver grâce à une API. Donc, à partir de cette adresse, je souhaite voir la longitude et la latitude. Et rappelez-vous, l'API, on l'a trouvée dans adresse.data.gouv. Par contre, comment je vais pouvoir utiliser une API directement dans Excel? Eh bien, ici, je suis dans l'onglet Accueil. Je vais aller dans l'onglet Formule. Et dans l'onglet Formule, vous voyez qu'ici, il y a différentes fonctions qui sont regroupées par sujet, les financières, les logiques, etc. Plus de fonctions, statistiques, ingénierie. Et quand j'arrive à la fin, j'ai Web. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que trois. Alors, bien sûr, les données m'auraient été très utiles plutôt qu'elles soient renvoyées sous forme JSON. J'aurais préféré au format XML. Où j'ai un filtre XML, ça aurait été beaucoup plus simple de filtrer l'information. J'ai URL encodage qui ici m'apporte très peu de choses, renvoie une chaîne encodée. Par contre, j'ai service web et je vais pouvoir renvoyer des données d'un service web, donc de mon API. Alors, avant de commencer, petite chose, je vais quand même vous présenter la version d'Excel que j'ai. Donc ici, je suis dans Formule maintenant, je vais aller dans l'onglet Fichier. Et dans l'onglet Fichier, tout en bas, j'ai ici Compte. Vous voyez, je clique sur Compte et je vois que j'ai un Microsoft 365 Application for Business et j'ai une version 23.07. Donc 23 pour l'année 2023, 07 pour le mois de juillet. Et je reviens avec la petite flèche. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas certaines fonctionnalités ou fonctions, c'est tout simplement vous n'avez pas la même version que moi. Et dans ce cas-là, ça vous sera très compliqué d'y arriver. Il faudra passer par une autre méthode. Alors déjà, c'est comment je fais pour récupérer les informations de l'API du gouvernement. Donc on va utiliser la fonction ici. Je retourne donc dans plus de fonctions web, service web. Il souhaite l'URL. Donc je vais aller sur Google, chercher ici mon URL, vous voyez. Donc CTRL-C. Je retourne dans Excel, je colle ici
mon adresse URL. Je ferme avec des guillemets. Et maintenant, je vais utiliser l'esperluette, donc la touche 1, pour ajouter l'adresse qui se trouve en cellule A2. Vous voyez qu'il m'a déjà trouvé le texte, le résultat, et j'ai juste à faire OK. Je vous remontre la formule. Voilà. Et vous voyez ici ma formule service web, l'adresse entre guillemets de api-adresse.data.gouv.fr, le esperluette A2. Et du coup, si j'enlève la formule, vous voyez le résultat. Et maintenant, je souhaite récupérer la longitude et ensuite la latitude. Alors, pour récupérer la longitude, j'irai assez simple, j'irai éventuellement, c'est que si je regarde, c'est délimité par un crochet et ici par une virgule. Donc, je vais dire, je vais prendre le texte après le crochet et avant la virgule. On va commencer par le texte après. Donc, texte après, toujours dans l'onglet formule, si je vais voir ici dans texte, vous voyez que j'ai en bas une fonction qui s'appelle texte après. Je vais carrément recopier, ça ira beaucoup plus vite. Sans le égal, CTRL-C, et du coup, ça ira beaucoup plus vite en mettant égal texte. Voilà, après, texte.après, comme vous pouvez voir, FX. Et il me cherche donc le texte. Donc je vais coller avec service web. Donc vous voyez ici, texte après, service web. Le délimitateur, bah, c'est tout simplement le crochet. Alt-GR5. Instance num. Instance num, c'est de savoir est-ce que je recherche le premier, le deuxième, le troisième, ou en négatif, dans ce cas-là, à partir de la fin. Et moi, si je regarde, je vais commencer donc pas vers la fin. Parce que rappelez-vous quand même, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc je vais commencer par le début, ce sera beaucoup plus simple. Et je cherche combien il y a de crochets. Donc ici j'en vois un. Et le mien, c'est le deuxième. Donc je vais dire, c'est la deuxième instance que je cherche. Et vous voyez qu'il a déjà trouvé le résultat. Juste comme ça, le match code, c'est quoi? La recherche et une correspondance de délimitateur. Par défaut, une correspondance respectant la casse est effectuée. Donc majuscule, minuscule, nous, ça n'a aucune importance. Et match end indique s'il faut faire correspondre le délimitateur à la fin du texte. Par défaut, ils ne sont pas mis en correspondance. Donc là aussi, aucun intérêt. J'ai juste à faire OK. Et j'ai la première partie. Par contre, bien sûr, j'ai tout ce qui ne m'intéresse pas. La virgule et tout ce qu'il y a derrière la virgule. Donc maintenant, je vais faire une autre fonction avec texte avant pour dire que je vais prendre avant, tout simplement, la virgule. Donc, je me mets avant. Ici, je vais mettre tout simplement une parenthèse et je vais écrire texte avant. Voilà, texte avant. Je vais à la fin. OK. J'ai mon texte. Point virgule. Le délimitateur, comme vous pouvez voir ici, donc. Maintenant que c'est pour ça que j'avais texte, point virgule, délimitateur, j'ai dit que le délimitateur c'était la virgule, donc je mets entre guillemets, virgule et je ferme les guillemets. Ça c'est le délimitateur, c'est fini, donc je vais pouvoir fermer. Et maintenant je dois dire l'instance num, est-ce que c'est premier, deuxième, troisième? Et là on va commencer un peu à compter. Et donc c'est texte avant. Donc, j'étais ici, n'oubliez pas, j'ai pris le crochet. Et si je regarde, c'est tout simplement le premier. Donc, je pourrais très bien ne rien mettre. Je vais quand même mettre le 1-1 pour bien savoir. J'ai ici une parenthèse rouge qui s'ouvre et qui se ferme, une violette. Eh bien, je vais fermer la parenthèse noire. Je fais entrer. Et vous voyez que j'ai récupéré directement l'information longitude. Je vais faire maintenant la latitude. Alors, un peu pour changer, au lieu de... Tout à l'heure, j'ai fait d'abord texte après, et après j'ai fait texte avant. Eh bien, je vais changer. Je vais commencer cette fois-ci. Donc, pour vous rappel, je vais quand même vous montrer la formule.
et je vais faire voilà. Et voyez ici la formule en grand. Texte point avant et j'ai fait après texte après service web. Le texte, les délimitateurs, le crochet, le deuxième, le délimitateur, la virgule et première instance. Et pour rappel, ici pour le texte. J'enlève l'affichage de formule. Donc j'ai dit je veux faire la latitude et changer un tout petit peu. Je vais faire d'abord texte avant. Je mets égal pour passer en calcul fonction et je commence à écrire texte et je vais prendre texte avant. Je la sélectionne avec la touche tabulation. Je fais FX pour passer en mode calcul fonction. Le texte, bah je l'ai. C'est mon texte de tout à l'heure. Le délimitateur, donc c'est avant. Si je regarde, c'est avant le crochet. Donc cette fois-ci, c'est Alt-GR parenthèse pour faire le crochet. Et l'instance, est-ce qu'il y en a d'autres avant? On va vite regarder. Un crochet qui s'ouvre. Un deuxième crochet qui s'ouvre. Mais j'en ai qu'un seul qui se ferme. Donc je pourrais très bien laisser comme ça. Mais je vais mettre un pour être tranquille. Et je fais OK. Et maintenant, si je regarde, j'ai bien le texte avant le crochet. Aucun souci. Moi, ce que je veux, maintenant, donc je suis allé jusqu'au crochet, c'est le texte après, ici, la virgule. Donc, je vais commencer par mettre ici une parenthèse. Je me mets devant et je vais écrire texte après. Donc, mon texte est fait, point virgule. Et maintenant, il me faut le délimitateur, donc guillemets, et j'ai dit virgule, et je ferme les guillemets. Point virgule, délimitateur est fait, il me faut les instances. Combien j'ai de virgules avant? Alors, on va compter combien j'ai de virgules. 1 virgule, 2 virgule, 3 virgule, 4 virgule, 5 virgule. Donc cinquième instance, je mets 5, je ferme la parenthèse, je fais entrer, et j'ai trouvé... Comme vous pouvez voir, la latitude. Donc, je vous remontre les fonctions. Voilà la première. Et je vais montrer. Et voilà la deuxième. Et toujours, bien sûr, la formule texte ici. Je fais afficher formule. Et maintenant, on va voir, pour récupérer à partir de la longitude et la latitude de cette adresse, voir s'il trouve la même adresse. Donc, petit rappel, on va aller voir d'abord sur Google. Voici donc toujours l'API adresse.data.gouv.fr. On avait ici le point d'entrée pour le géocodage. Rappelez-vous avec l'adresse qu'on voit ici. Et si je descends, ici le code qui est renvoyé, comme vous avez pu voir, voilà comment il est renvoyé, pour petit rappel, voilà comment il est renvoyé dans Excel. Avec ici les différentes coordonnées que je pourrais avoir besoin. Et ici, vous voyez, reverse. Et donc, je vais prendre tout simplement... Voilà, les paramètres latitude et longitude sont obligatoires, sauf que moi, je vais les récupérer dans mon fichier Excel. Mais par contre, ça, je vais le prendre. Je fais un petit CTRL-C. Je vais dans Excel. Et je commence, donc, en dessous, à marquer ici, égal. Et je vais prendre la fameuse fonction service, donc web. Je colle ici. Par contre, il faut que je remplace, bien sûr, longitude et latitude par les valeurs que j'ai. Ici, je vais enlever le 2,37, je vais mettre, je ferme les guillemets, je mets le « et » esperluette pour concaténer avec la longitude qui se trouve ici en B2. Et, esperluette, et je vais terminer ici avec esperluette, avec guillemets, pardon, et je vais mettre esperluette, et je vais chercher ma latitude. Et une petite parenthèse. Et si je fais entrer. Acceptez-vous cette correction? Oui.
Dièse valeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah, j'ai mis ces deux entre parenthèses, entre guillemets, ça va pas. Donc je vous remontre la formule. Voici la formule ici pour trouver latitude et longitude. Et voici ici le reverse. À partir de longitude et latitude, retrouver une adresse. Je fais, voilà, afficher les formules. Et vous voyez que globalement, bien sûr, il trouve la même adresse. Alors on va juste aller voir un tout petit peu plus loin, voir l'adresse. Ici, vous voyez, il a trouvé 68 100 Mulhouse. Ici, impeccable. Ici, c'était avec un CEDEX. Maintenant, à moi d'avoir accès à l'adresse. Alors, on va commencer ici, pareil, avec texte après, texte avant. Sauf que si vous regardez, petite chose, l'adresse est contenue entre guillemets et guillemets. Et ça va me poser quelques petits soucis. Mais on va y arriver. On va voir un peu le petit souci aussi. Donc, et comment on va le régler. Si je mets égal, je vais prendre texte. Donc, après. FX. Alors, je vais d'abord copier, c'est vrai, la fonction pour avoir le texte. Voilà. Contrôle C. Et maintenant, je me mets ici, égal, texte après, FX. Mon texte, pas de souci, je l'ai. Le délimitateur, j'ai dit que c'était des guillemets. Je mets. Et là, vous voyez, automatiquement, il me met non valide. Alors, si je mets guillemets, guillemets, il va chercher du vide. Si je mets 3, ça ne fonctionne pas. Si j'en mets 4, il prend des doubles. On va chercher ici le numéro d'instance. Donc j'ai mis 4 guillemets. Vous voyez? Donc voilà un petit truc. Quand j'en cherche un, il faut en mettre 4. Et on compte. Et là, il y en a quelques-uns de guillemets. Si on regarde, ce n'est pas ce qui manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Et je mets 27. Et vous voyez qu'il m'a trouvé 87 avenue d'Alkirch, 68 100 Mulhouse. Moi, je code, c'est bon, je fais OK. Bien. Donc, attention. Avec les guillemets, il faut mettre 4 guillemets pour dire que j'en recherche un. Maintenant, je dois prendre. Donc ça, c'était le texte avant. Je dois le texte après. Je dois faire maintenant le texte avant. Et ici, le fameux guillemets guillemets. Donc pareil, je mets ici. Je vais dans ma formule. Je mets une parenthèse. Je me mets entre le égal et la parenthèse. Et maintenant, je vais faire texte. Avant. Texte avant, je vais à la fin. Mon texte est terminé, donc je peux mettre point virgule. Délimitateur, c'est toujours un guillemet. Rappelez-vous, par contre, il faut mettre 4 guillemets. Donc je mets 1, 2, 3, 4. Point virgule, et comme c'est le premier, je mets 1, je ferme la parenthèse et je fais entrer, on va voir. Et là, j'ai récupéré directement le texte à partir des coordonnées. Donc, je fais afficher les formules. Voilà. Ici, vous voyez donc l'adresse. En dessous, en A4, c'est ici l'API avec la fonction service web pour récupérer. Donc les données du site directement à partir d'une adresse. En A5,
c'est comment je peux récupérer une adresse à partir de la longitude et de la latitude qui se trouvent en B2 et C2. Ensuite, donc je décale. Ici en B2, vous voyez la fonction qui va me permettre de calculer la longitude à partir du service API de data.gouv. Et ensuite, en C2, pour calculer la latitude. Voilà. Latitude, la longitude. Et enfin, en A3, la fonction qui me permet à partir d'une longitude et latitude de récupérer l'adresse. Alors on va essayer, on va faire un petit test. Je vais changer l'adresse. On va voir. Je vais mettre par exemple 1 par vie de la défense. Et on va utiliser un 92 044 par exemple, plutôt. Je fais entrer. Et il m'a trouvé la longitude, la latitude et l'adresse. Il trouve 1 par vie, 92 800 plutôt. Donc c'est pas trop mal. On va aller un peu plus loin parce que souvent c'est pas plutôt qu'on dit, mais on dit Paris la défense. Donc je vais marquer Paris la défense. Par contre là vous voyez, le fait d'avoir mis Paris la défense, il a cherché sur Paris une adresse qui commence par 1 par vie et il a trouvé 1 par vie du tribunal de Paris. Donc attention, vous voyez quand même, faut être précis des fois. C'est pas Paris la défense, la ville est bien plutôt. Si je mets plutôt, aucun souci, il trouve. Par contre, si je mets Paris la défense, bah bien sûr, il va chercher sur Paris. Je vous remets quand même encore une dernière fois les formules pour trouver l'adresse à partir de longitude et latitude. Et ensuite ici, la fonction pour trouver la longitude, la fonction pour trouver la latitude. Et je peux effacer bien sûr ces deux-là qui ne me servent plus à rien. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur Excel.